Je suis une chanteuse, compositeur, pianiste. J'ai grandi à l'île de Ré. J'habitais à Ars, j'étais à l'école à quelques kilomètres d'ici, à Saint-Clément. J'ai eu une enfance merveilleuse à l'île de Ré, donc c'est un endroit qui est particulièrement cher à mon cœur. Et après avoir habité à New York aux États-Unis pendant près de 13 ans, on est revenu s'installer en Loire-Atlantique et du coup là on a pu participer avec ce grand plaisir au Jazz au Phare cette année dans le cadre du Tremplin Connexion. Jamais l'été en fait à l'île de Ré. J'aime beaucoup l'île de Ré, surtout l'hiver. Et du coup, ça faisait très longtemps que je ne revenais pas à l'île de Ré pendant l'été. Et puis on travaille beaucoup pendant l'été, donc c'est difficile de prendre des vacances. Et c'est vrai que d'avoir l'occasion de revenir ici et de jouer sur la scène de Jazz au Phare, avec entouré en plus d'amis de longue date, c'est après une année comme celle qu'on a passée en 2020. Et 2021, c'est un vrai luxe et vraiment on apprécie. Donc à 7-8 ans, je commençais déjà à écrire des chansons et après je pense que j'ai découvert le jazz autour de 13-14 ans. Et là, j'ai passé des années à être fascinée, à me plonger dans le jazz, mais aussi toutes les musiques afro-américaines, que ce soit le blues, la soul, le gospel, toutes ces musiques qui sont vraiment bâties sur l'émotion, sur un partage, la participation avec le public. C'est une musique très interactive et vraiment où l'improvisation a une grande place. Musicale, ma marraine musicale, comme beaucoup de chanteuses ou de musiciens, je pense que c'est Ella Fitzgerald. Pour moi, c'est la perfection sans effort. C'est d'un naturel, c'est d'une grâce. Elle est sublime pour ça. Plus récemment, j'ai un coup de cœur énorme pour Gregory Porter. J'aime bien les salles pas trop grandes. J'aime bien le côté intimiste avec le public, qui est une participation, un échange. Et c'est vrai que par exemple, j'ai fait pendant le confinement des concerts par internet. C'est mieux que rien, mais c'est très difficile pour moi de ne pas sentir le côté physique de la présence des gens, parce que c'est vraiment intégral à notre musique, comme vous avez pu le voir. On est vraiment dans un échange, et que ce soit sur scène, entre les musiciens et dans le public, s'il n'y a pas cet échange, pour moi, c'est très difficile. La musique, c'est vraiment un échange permanent. On essaie de ne pas trop regarder, de continuer à écrire de la musique, de jouer pendant qu'on peut, et voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui était un vrai luxe de pouvoir jouer ici. Je pense que c'est un peu le Covid nous a appris une chose, c'est carpe diem. You